pas comme la présentation de l'ALE. Et on peut passer rapidement pour vous expliquer le pourquoi de notre mission d'aujourd'hui. Si nous sommes ici, tel que je vous ai dit, c'est pour faire le tirage des entreprises qui vont exécuter les travaux qui vont se dérouler dans l'axe Boutoué, Kahamba, Kabenet. Et cet axe, c'est 5 km, c'est 20 km. Les 20 km sont subdivisés à 4 lots. Et chaque lot comprend 5 km. Et avant de passer à la méthodologie de tirage, je voulais vous inviter mon collègue ici, l'ingénieur Chris, pour vous expliquer, vous donner la description et les caractéristiques de chaque lot qui est l'objet de notre réhabilitation. Merci, président. Bon, je m'en vais vite pour ceux qui seront tirés dans chaque lot, donner quelques descriptions des travaux, des activités qui vous attendent à faire dans chaque lot. Bien sûr, les détails sont déjà écrits dans les DDC qu'on remettra aux entreprises qui seront tirées aujourd'hui. Moi, je vais juste vous briefer les grands travaux et les grandes activités qui seront mentionnées dans chaque lot. Pour avoir un peu l'idée de ce que chacun fera lorsqu'il sera attiré dans son lot. Alors, premièrement, nous savons que beaucoup des entreprises telles que vous êtes là, vous avez participé aux formations de fonds sociaux techniquement. Parce que moi, je suis là pour la technique. Vous avez participé techniquement et vous savez au moins, ce n'est pas aussi la première fois que vous participez à une séance de tirage au sort organisée par les fonds sociaux ou par une ALE comme nous. Alors, nous, techniquement, nous avons 57 km comme le président de la commission vient de dire. Le tirage d'aujourd'hui, nous allons le répartir en 4 lots. Et les 4 lots, nous aurons au moins 6 entreprises dans chaque lot. 6 entreprises dans chaque lot. Et techniquement, qu'est-ce que chaque lot a comme travaux? Premièrement, les travaux que vous allez faire concernent la plateforme des ouvrages de drainage transversaux, longitudinaux et la réhabilitation des couches de roulement. Vous savez tous que nos pistes sont vraiment en état délabrées et c'est la couche de roulement qui est vraiment primordiale. Et aussi la reconstruction et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques. Donc voilà un peu le titre de ces travaux. Alors, dans les lots 1, ceux qui seront tirés dans les lots 1, voilà un peu les grandes lignes qui vous attendent et les grands travaux qui vous attendent. Dans les lots 1, nous avons pour les travaux de piste, nous allons faire le reprofilage sans apport du PK0 au PK5. Ça, c'est la première activité. Et puis, nous avons la construction des 12 dallots. Les 12 dallots de cadre simple, biais 3 à maçonnerie, de moellons de section 80-80 et puis 60 de largeur. Et puis, tout au long, et 12 dallots respectivement, chaque PK vous sera donné, comme je dis, dans les DDC qui seront remis à chaque entreprise pour la cotation. Et puis, deuxièmement, nous avons encore la construction d'un pont. Voilà, d'un dallo cadre simple de pied droit en maçonnerie maintenant de 1 mètre, 1 mètre x 60. Les détails sont écrits dans les DDC. Ça, c'est en ce qui concerne le lot 1. Merci beaucoup l'ingénieur Chris pour la présentation et les explications. On passe rapidement à la méthodologie du tirage. Et nous voulons vraiment que ça passe d'une manière très transparente, claire, que tout le monde puisse trouver la chance d'être tiré selon la probabilité de sa chance. Et comment on va procéder? Et comme on vous a signalé, l'axe est divisé à 4 lots. Chaque lot, c'est 5 km. Et chaque lot, on doit formuler donc 6 entreprises. Je crois que chacun a déjà le répertoire des entreprises de qualifiées par le fonds social. Tout le monde a déjà trouvé la liste.
Ok, merci. Là, nous allons constater qu'il y a 28 entreprises préqualifiées. Alors, dans les 28, premièrement, le tirage que nous allons faire aujourd'hui, chaque lot, on doit formuler deux listes. La première liste, qu'on appelle la liste principale. Cette liste principale, on doit tirer au hasard 6 entreprises. Et par après, on doit formuler une autre liste provisoire des réserves. Et cette liste sera composée aussi de 6 entreprises. Donc, premièrement, nous allons prendre le bulletin de 28 entreprises. Nous les mettons dans l'urne. Et puis, on tire 6 entreprises. Les entreprises tirées, les 6 là, on doit les mettre sur la liste principale. Dès qu'on termine avec le tirage de la liste des entreprises qu'on doit mettre dans la liste principale, on doit tirer encore 6 entreprises qu'on doit mettre sur la liste des réserves ou la liste provisoire. Ça, c'est le premier lot. Ainsi de suite, on continue jusqu'à terminer tous les 4 lots. Alors, maintenant, nous voulons vous demander votre avis. Il faut que ça passe d'une manière démocratique. L'avis que nous voulons vous demander, nous avions choisi des méthodes, des bulletins. Les bulletins, la première méthode, on a essayé de faire les numéros. Des numéros 1 jusqu'au numéro 28. Ces numéros correspondent au répertoire que vous avez. Par exemple, si on tire par le hasard 11 directement, vous allez constater que c'est Beteco qui est tiré. Si on tire au hasard 15, donc ça c'est Egeba. Ça c'est la première stratégie. Donc, on découpe avec vous les numéros ici qui correspondent au numéro de répertoire, à la liste de répertoire des entreprises préqualifiées par les fonds sociaux. Deuxième méthode, nous avons ici les noms. On doit découper les noms ici de chaque entreprise. Nous avons 28 entreprises. On coupe et puis on met dans l'urne. Là, on doit tirer. Là, on montre au public que c'est l'entreprise telle selon son nom qui est indiqué sur les jetons, la carte qu'on doit tirer. C'est ça la deuxième méthode. Et pour le processus, mais avant d'aller là-bas, je ne sais pas avec l'opinion du public si vous choisissez laquelle, avant de continuer avec l'expression de la méthodologie. Les numéros. Il y a un ami qui choisit le numéro. Mmh. Ou bien je peux expliquer encore. C'est compris. Non, merci. Pour les numéros, qui sont pour vous les numéros? Manifestez s'il vous plaît. Comme nous avons les numéros des entreprises. Merci beaucoup, c'est tout le monde, c'est la majorité, merci. On a fini à avec plier. L'autorisation du public, oui. Vous venez d'autoriser que DVDA, groupement, les chefs du groupement et attributeurs, ce sont eux qui vont tirer. Alors maintenant pour pour cette liste principale, ou les premiers, qui va tirer parmi les trois? Tous. Donc les trois vont choisir. Tous vont tirer au même moment. Oui. Le moment où on ouvre. Il tire et il ouvre, et puis on écrit sur le. Comme ça, on se plie. L'urne n'est pas transparente. Oui. Ça aussi. Comme ça. Oui. Là, vous êtes satisfait. Même celui qui va tirer, il va aussi. C'est bon. C'est bon. Ok. Vous tirez 2-2. 2-2. Non, 1-1. C'est ce il tire ou il ouvre. On voit, on écrit, d'abord on passe. Voilà. Mais papa, s'il vous plaît, papa. Attends un peu. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Ah, mon cher. C'est là-bas. Tu veux qu'on filme comme les chefs commencent à tirer. Tu veux même un d'abord. Voilà. Voilà. Ouvrez, vous lisez. Bougez un peu, c'est quoi un peu? 23. 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 23
Ok. C'est bien que donne ça à qui? Donne ça à qui? Attends, là, c'est bien conforme. On a bien écrit. Oui, oui. C'est visible. 24 et 3. C'est ça. Thank you.